Bonjour tout le monde, aujourd'hui est un jour très spécial. Je vous emmène à la découverte d'un service très particulier de la préfecture de police de Paris, la brigade de recherche et d'intervention. Vous allez me suivre pendant plusieurs journées en immersion totale pour découvrir leur mission et leurs spécificités. Allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour monsieur Riondet, merci de nous accueillir dans ce lieu mythique. Bienvenue à la BRI. Merci. Vous vous trouvez dans un lieu assez unique. Dernier service de police qui se trouve actuellement au 36 quai des Orfèvres. Des locaux tout neufs, comme vous le voyez, mais qui restent chargés d'histoire. Une histoire que vous avez pu voir en franchissant le porche du 36 et qui est présente sur nos murs. Quelques souvenirs d'opérations bien connues. En 79, par exemple, l'interpellation de Jacques Perrine par la BRI déjà. Pour de Clignancourt, il me semble. Exactement. On a aussi des lettres, des gens qui étaient au Bataclan et qui ont souhaité témoigner de leur reconnaissance et avoir ce lien avec les gens qui sont intervenus. Et pour ne pas oublier ce qu'a été cette intervention très particulière. On a conservé le bouclier du Bataclan, donc qui est transpercé de balles de Kalachnikov et derrière lequel se trouvait la colonne de la BRI. Pour moi, c'est un élément d'histoire qui va bien au-delà de la BRI. Cet attentat qui est le pire attentat qui ait connu la France. Seulement 9 coups de feu ont été tirés par la BRI pour neutraliser les deux derniers preneurs d'otages qui restaient sur place. Il n'y a eu aucun blessé parmi les otages du fait de notre intervention. On a eu un blessé grave, mais c'est une intervention unique et réussie. Et ce bouclier est là pour nous rappeler chaque matin que le métier qu'on fait, c'est un métier qui demande de l'abnégation. C'est quelque chose que l'ensemble des opérateurs ne souhaitent bien évidemment pas revivre, mais ça reste quelque chose pour lequel on se prépare afin de pouvoir avoir le rôle qui est le nôtre, qui est d'intervenir dans des conditions extrêmement dégradées, dans lesquelles on sait qu'on va faire face à une opposition très forte. Ça, ce sont les nouveaux modèles de boucliers qu'on utilise dans l'intervention. Ça reste un bouclier extrêmement lourd. On est au-delà des 250 kg. Il y a une protection balistique extrêmement importante. Merci de venir découvrir la BRI. Merci à vous de m'accueillir. Et moi, j'espère que vous allez apprécier les moments qu'on va vous faire vivre et puis permettre en fait de faire découvrir la BRI à tous les jeunes policiers et puis bien au-delà à tous les gens que ça peut intéresser. Alors, on est parti, on y va. Allez. Salut Juliette, ce que je te propose, c'est de nous accompagner à l'entraînement. Allez. Pour ce faire, je t'ai préparé une petite combinaison. Super. Donc, je vais te montrer où te changer et on y va. Allez, c'est parti. Donc ça y est, je suis changée, je vais partir avec les collègues de la BRI. Je sais pas du tout ce qui m'attend, ils m'ont fait plein de surprises, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'on va faire. J'appréhende un petit peu parce que je sais la qualité de leur travail et surtout l'expertise qu'ils ont et les qualités physiques qu'ils peuvent avoir. La journée va être chargée et je vous emmène avec moi. C'est parti Juliette, on y va, on passe. Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui? Écoute, tu vas participer à un entraînement du groupe d'alerte. On s'entraîne au tir 3 ou 4 fois par semaine. On va te faire essayer le panel d'armes qu'on utilise. Ok. En sachant qu'on va de l'arme de poing, l'arme pour faire de la protec, en fonction des situations rencontrées. Que ce soit en mode police judiciaire, où on a besoin d'un certain type d'arme, en mode intervention, en mode varap, hélico. On a tout un spectre à couvrir, donc tu vas avoir l'occasion d'essayer un petit peu tout ça. En fait, l'arme de poing, c'est ce que je peux avoir moi à la cuisse, donc c'est mon arme de service. Donc le Sixwar 2022. Donc ça c'est une arme qu'on a tous en tant que policiers. Après à la BRI c'est vraiment un service spécifique. Ils ont l'habitude d'utiliser des armes de différentes catégories. Donc pour moi par contre ça va être une grande première. Donc vous pouvez venir avec moi, on va suivre tout ça avec Jérôme et l'ensemble des collègues. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look at... Bon alors Jérôme, qu'est-ce qu'on fait ici? Pour continuer un petit peu notre journée type BRI, on va passer sur un entraînement de varap. Okay. Dans le cadre du boulot, on peut intervenir par les balcons pour aller voir sur un forcené. On a tout un spectre large d'activités liées aux manœuvres de cordes. Cet après-midi, on va te montrer ce qu'on peut faire là. C'est une grande première pour moi, alors j'espère que ça va bien se passer. J'en suis persuadé. Tu vas gérer ta descente avec cette poignée, avec ta main gauche. Et avec la main droite, tu vas tenir la corde et ta main, tu ne dois jamais la voir.
C'est normal que tu te promènes. Hein. Donc là, t'es toute seule, Julie. A few moments later. Super Juliette. Écoute Juliette, je t'ai préparé une petite surprise. On va aller faire une petite mission en hélico aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, tu sens comment? Ça va. Comme ça qu'on dit en plongée, non? Ouais, c'est ça. C'est génial, c'est hyper impressionnant, on se rend compte vraiment que bah, notre vie elle tient vraiment à un fil. Bravo à vous de faire ça de manière régulière en entraînement. Et du coup moi Jérôme, j'aimerais te demander à quoi ça sert ce genre d'entraînement et quel type de mission vous pouvez faire avec un nettoyage. Ce genre d'entraînement sert, comme tous les entraînements, à être opérationnel le jour J. Le vecteur hélicoptère peut nous servir dans le cas où on ne puisse pas accéder à un bâtiment par le bas. On peut imaginer qu'il y ait des pièges, on peut imaginer qu'il y ait un incendie. Tous les scénarios sont envisageables. Alors Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur une opération de surveillance filature. D'accord. Sur un individu qui se livre au vol fausse qualité. Ok, donc pour expliquer le vol fausse qualité, c'est quand un individu se fait passer par exemple pour un faux policier, pour escroquer des personnes vulnérables notamment. C'est ça, exactement. Voilà. C'est un vrai prédateur qui sévit sur la capitale, donc on va essayer de faire un flagrant délit sur sa personne. Bah là, en fait, on a un individu qu'on suit, assez âgé, cheveux gris. Il est propre en plus. Hein. Ah bah, c'est le but du véhicule. Ouais. Il est rassurant. Quoi. Il fait un peu vieux quand même pour faire policier, quoi. Ça passe. C'est bien, il bosse, les jeunes. Attention, les mecs, ça fait demi-tour. Toujours à l'arrêt, hein. On a discuté avec le mec, il s'est juste décalé sous l'échafaudage. Ouais, correct. Il a peur de Dalton, ça se sépare. Hein. Bah, tu les prends. Ouais, je prends. On va sonder avant tranquille. Donc là en fait on est en dispositif, on est en surveillance dans un magasin parce que l'individu en question qu'on suit depuis ce matin qui est à l'arrêt à un endroit. Donc on attend de voir s'il travaille ou pas comme on dit chez nous et on poursuivra la filature derrière en fonction de ce qu'on aura découvert à la suite de tout ça. Donc de retour au 36, on a terminé notre filature sur l'individu mis en cause dans une affaire de police judiciaire, on ne peut pas vous en dire tout à fait plus. L'individu n'est pas passé à l'acte, il n'y a pas eu de flagrant délit en l'occurrence. Donc les collègues continuent la surveillance sur l'individu et on attend les suites avec impatience. Aujourd'hui, il est 4h30 du matin environ. On se retrouve avec la BRI de la préfecture de police de Paris pour aller sur une assistance pour une interpellation par rapport à une enquête judiciaire en cours. Vous allez pouvoir nous suivre un tout petit peu quand même pour le dérouler. Allez, on y va. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez un médecin avec vous qui intervient sur les colonnes?
À chaque fois qu'on intervient, on a la chance de pouvoir compter sur les médecins de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. D'accord. Donc c'est une réelle plus-value. La BRI est un service au sein de l'APP qui a beaucoup de chance parce qu'on a l'occasion de bénéficier de toutes les compétences. Donc les sapeurs-pompiers en termes de médication, on a aussi toute la partie NRBC aussi qu'on travaille avec les sapeurs-pompiers. On a la chance aussi de pouvoir travailler avec les dépiégeurs d'assaut du laboratoire central de la préfecture. Donc c'est tous ces services qui sont regroupés. Et c'est une réelle chance pour nous de bénéficier de tous ces spécialistes. On est là pour assurer en un la sécurité médicale des opérateurs. Mais aussi des mises en cause si jamais il se passe quoi que ce soit lors de l'interpellation. Et des mises en cause, bien sûr. Et pour Europe. Bon, en tout cas, patron, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé, ainsi que les opérateurs de la BRI. C'était quelques jours et une presque semaine très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu découvrir plein de pratiques. Et vraiment, merci beaucoup pour l'accueil et encore bravo pour tout ce que vous faites. Merci pour ces mots. On était très heureux de vous accueillir ici. Vous avez pu voir le panel de toutes les missions de la BRI, du travail de police judiciaire, qui est son cœur de métier, jusqu'à l'intervention dans des situations les plus difficiles. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et puis que ça servira à susciter des vocations au sein de la préfecture de police lors des prochains tests qu'on organisera à la rentrée prochaine pour intégrer la BRI. Après cette semaine, voilà, on valide votre... Merci. Votre arrivée à la BRI et puis on vous remet cette écusson en souvenir de votre Super. Passage ici. Celui-là sera collector, il va rejoindre ma collection qui s'agrandit petit à petit. Donc les collègues, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain test pour la rentrée 2021. À tous les autres, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans un prochain service de la préfecture de police de Paris.